Salut à tous, salut lune, et bienvenue dans un nouveau petit jeu. Bonsoir à tous, bienvenue, salut à tous, vous avez le choix entre Pat et Ri. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la salle, comment vas-tu? Hello, how are you? I'm fine and you? I'm fine too. Alors le jeu est simple, inspiré de ce que fait la salle en ce moment, vous savez, c'est un peu les VS. Sauf que cette fois-ci, en gros, c'est simple. J'ai le véhicule, comme vous savez, le véhicule le plus puissant de GTA V, c'est le Phantom Wedge. Et en face, ils ont des véhicules, j'aurais dit, vous prenez un véhicule léger. Et le but, c'est tout simplement de les faire voler. Celui qui volera le plus haut, qui volera le plus loin, en gros, qui volera, quoi, gagnera la partie. Donc c'est parti. Premier participant, je peux y aller, je fonce. Il peut venir. Donc sur la ligne du milieu. Ah, donc c'est pas à l'arrêt, quoi, sans mouvement. En mouvement, bah oui, bien sûr. Je sais pas c'est qui. Bof, il a volé sur le côté. Il a volé sur le côté et il est arrivé au niveau du. On retiendra au niveau du B4. Voilà, il peut se placer à Ah ouais, côté. Je peux te mettre à mais tu côté vas si pas tu veux. nous... Non, mais il y a un truc, c'est que tu vas pas tous nous pousser à partir du même endroit, donc forcément... Ah ouais, c'est vrai. Ici. Donc forcément, ouais. Mais il peut se mettre là, il peut se mettre à côté. Comme ça, il pourra regarder le choc. Donc le deuxième peut se préparer. Pour l'instant, écoutez, c'était un vol plutôt calme, on va dire. Ok, c'est parti, le deuxième peut venir. Ok, attention, deuxième, parce que le deuxième. Parce qu'en fait, à chaque fois, je sais pas c'est quel véhicule qu'ils ont pris. Donc, je découvre en même temps que vous. Alors, c'est quoi ça? Wow! Ah ouais, il est haut, mais est-ce qu'il est loin? Wow, regardez! What is this shit? Ah oui, je l'ai fait revenir en arrière. Magnifique. C'était C'est pas quoi ce mal, mais véhicule? C'est quoi le véhicule il qu'on a était pris là? haut. C'est le la DVST, La non, ouais, DVST. DVST. Ok, la DVST qui a littéralement humilié l'autre. Donc l'autre, il est éliminé. Et DVST, du coup, qui prend la place. Ça va être, je sais pas si ça va être chaud, mais il y a de la, y a de la concurrence là. Ok, le troisième, il peut venir. C'est parti. Donc là, on est 12, donc il y a 11 participants normalement. Et là, on est au troisième. Le troisième, je sais pas ce qu'il a pris, mais. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une Je sais petite pas non voiture. plus. Ah, bah comme l'autre en fait, ex aequo. Ouais. C'est bizarre, hein, tu vois, je sais pas, c'est. Je sais pas c'est quoi qui joue, si c'est la légèreté du véhicule, tu vois. L'aérodynamisme. La forme, tu vois, ça peut être plein de choses. Le poids. Moi, je pense que c'est l'aérodynamisme. Gilbert, tu vois, le graviton, je sais pas. Ok, donc là, on est actuellement à 3 participants. Donc le quatrième, let's go. Il y a la salle aussi qui participe, hein, évidemment. Bah, je suis en dernier, Oh, le j'attends. quatrième, Ok, monsieur. Bah, ce sera la salle de derrière, donc on verra s'il battra la DVC. Pour l'instant, la DVC qui humilie tout le monde. Ok, alors le quatrième, je sais pas c'est quoi qu'il a. c'est un rigolard. C'est une moto, je dirais. Ah non, c'est un scooter. Ah ouais, il a volé où? Ah, il est là! Wow, il vient d'atterrir! Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce qu'il a fait plus, la salle, tu penses que la DVST? Est-ce que vous pensez qu'il a fait plus ou pas du tout? Non. Non? Ouais, je pense pas, parce qu'il a atterri. Il a atterri comme assez rapidement par rapport à la DVST. Donc pour l'instant, la DVC qui reste toujours en première position. Et bon, c'est vrai qu'on a une caméra, dommage que notre caméra est un peu bloquée. Parce qu'on aimerait bien voir un peu plus de haut, on va dire. Ok. En l'air. Le cinquième participant, il peut venir. Hein. Ok, je suis en route. Hein. Oula. La DVC. Oula. Je sais pas c'est quoi qu'il a. Donc je rappelle que je sais pas ce qu'il a à chaque fois qu'ils ont. Enfin, ce qu'ils ont. Ah. Il a plus volé que les autres, hein, plus que les deux autres. Donc deuxième, non, troisième position, parce que le scooter a quand même volé un peu plus. Donc C'est troisième vrai. position pour lui. Ou elle, je sais pas. Mais en tout cas, je pensais qu'il allait plus voler celui-là, par contre, honnêtement. Ok. Donc du coup, on arrive au sixième participant. Donc il peut venir, le sixième participant. Exactement. Let's go to the party, j'ai envie de dire même. Ok, je vais me placer bien au milieu. C'est lui qui va te soulever.
il a volé lui, non? Il a volé lui, non? Ouais, il est tout à droite, enfin à ta droite. À notre gauche, quoi. Ok, mais je crois qu'il a pas plus volé que la dévasté. Hein. C'est lui ça là? Ah non, c'est pas lui. Non, non, il était là où il y a l'avion Ah ouais jaune. là, ok. C'est la Proto. Proto qui a un véhicule assez léger. C'est un bon choix de véhicule, honnêtement. Mais je crois que la DVST reste toujours en première position là, ça. Exactement. Donc n'hésitez pas à me dire aussi, hein, ceux qui sont sur les côtés, à me dire si la DVST se fait concurrencer ou pas. Donc là, c'était le sixième, c'est ça? C'est ça. Ok, bah le septième peut venir. Bon, c'est un petit jeu tranquille, simple. Alors le septième, qu'est-ce que c'est comme véhicule? Ça a l'air d'être un véhicule assez petit. Oh, c'est quoi ça? Ah, la Panto! Wow, elle est en l'air. Ah, je la vois. Pas mal la Panto. Franchement, pas mal. J'ai un peu de la dégomme encore. Ah oui, mais il bug un peu. La Panto, pas mal. Bon choix de véhicule, mais bon, malheureusement, la DVST est toujours devant. Et je crois que la Panto qui prend la troisième place, hein, parce que la Proto a volé un peu plus. Donc troisième place pour la Panto. Quatrième place, c'était pas la Panto, c'était le Faggio. Donc du coup c'est parti, let's go! Le C'est huitième il une me semble. easy. C'est une easy. Ils arrivent, ils arrivent. Enfin, une easy boy. Easy boy. Ok. Enfin, une mini, quoi. On va pas Ah. décoller, hein. Non, non, elle est juste à côté de toi. Ouais, sans plus. Ah ouais, non, mais je vois sur mon écran. Sans plus. Mais sans plus. Moins que la Panto, je suis choqué quand même. Hein. C'est-à-dire que la Panto, elle est vraiment très très légère. Lui, je l'étais comme. Ouais, tu penses que le DVC va être battu ou pas? Je pense que non, hein, vu ce qu'il y a. Après, ça dépend, t'as pris quoi toi? Bon, ce que t'as pris, toi, ne me dis pas, mais c'est parti, le 8ème peut venir. 8ème ou 9ème, 8ème, je sais pas. Mais il peut venir, le suivant. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce week-end du coup? Ah bah c'est une mini. Ouais, pareil, donc bof. Ouais, pareil, ils ont. En fait, je sais pas, c'est pas. En fait, je crois que c'est vraiment le poids du véhicule, hein, parce que les véhicules, ils sont quand même assez lourds. Hein. Il est plus lourd que la Proto. La mini est plus lourde que la Proto, donc forcément, je crois que ça va jouer sur la légèreté. Et du coup, il fallait bien choisir des véhicules légers. Hein. C'est vrai. Donc, pour le moment, je sais pas c'est qui le premier, quel joueur, quel a dévasté, mais il est Nickel. premier. Ok, le suivant peut venir. C'est moi. Ah, c'est toi, ça y est, c'est le dernier participant là? Ouais. Oh, Ah bah, tu m'as wow! renvoyé au début, Je quoi. t'ai renvoyé au début et pas mal! Ah, il y en a encore un Tu là-bas m'as qui attend renvoyé. la salle ou je rêve? Ouais. Ok, il y a encore une personne. Bah, du coup, la salle, t'as quand même pas bien volé, mais comparé aux autres, bah, vite fait quoi, comparé à la DBST et tout. Mais je crois que t'as fait plus que la mini et tout, donc je crois que tu dois être dans les cinquièmes. J'ai surtout volé en Mais je arrière. vais refaire un test après DVST Proto, hein, parce que c'est vrai que c'est les deux premières. Donc les Proto et la DVST peuvent se remettre dans la file. Ok, le suivant peut venir du coup. Le dernier. Est-ce qu'il va battre la DVST et la Proto? C'est ce que nous allons voir. À mon avis de vous, je ne pense pas. Bah non, sachant que c'est... Ouh, quoique, attention. Quoique, la salle. Il avait aussi une dévastée. Oh, pas mal. Bah oui, mais c'est une dévastée. Ah, c'est une dévastée aussi. Bah oui, Ah, c'est j'avais pour pas remarqué ça. avec l'aileron. Ok, bah vous pouvez vous replacer dévastée et proto. On va refaire un dernier test dévastée proto. Mais bon, pour l'instant, la dévastée qui vraiment gagne. Qui gagne, hein, pour l'instant. Donc dévastée, tu peux venir, je suis là. Ok. La DVC qui arrive, hein, vous la voyez actuellement. C'est trop. Regardez où est-ce qu'elle vole. Ah ouais, il est parti vite, carrément à l'aide d'eau.
Ok, dévesté pour l'instant première. Hein. Vraiment là, il a volé, mais t'as vu la volée ou la salle? Bah ouais, c'est abusé. Tout à gauche quoi. Ok, la proto, tu peux te placer, hein. J'arrive tout de suite. Mais Elle c'est est vrai placée. que y en a, ils ont pas fait de bons choix, tu vois. Ils ont pris vraiment des petites crottes, tu vois, des Mini Cooper, des trucs comme ça, Panto et tout. Mais malheureusement, ça fait pas le point face à des véhicules comme la proto et tout. La proto, tu peux venir, je suis là. Attention, test ultime. Et nous aurons du coup le vainqueur final, le vainqueur qui a gagné entre les deux. Ah bah. Wouhou! Elle a même pas décollé. Elle a même pas décollé, c'est horrible. Ouais, ça dépend des moments, quoi. Ouais, c'est bizarre. Ok, est-ce que la DVST peut se placer au milieu? Tu peux te placer au milieu? Sur place, tu bouges pas, je vais te foncer dessus. Et ensuite, la proto, tu pourras te placer juste après. On va quand même tester, genre, tu vois, Ouais, sans bouger, ouais, sans c'est mieux. bouger pour voir. Pour voir si ça fait une différence ou non. Il devrait même descendre de son véhicule pour pas que ça impacte sur le Ouais, bug. descends du véhicule, vas-y, descends du véhicule, tu peux descendre du véhicule. Ok, j'arrive. Hein. Donc, place bien le véhicule. Alors, attention, j'arrive. La proto qui pourra se passer juste après. Je viendrai de l'autre côté. Bon, on sait pas si... Attention. Ah bah je suis passé Ah. dessus, pas mal. C'est Ouais. lui qui me dégomme. Parce qu'elle est basse, celle devant. La proto... Bah la proto peut se placer du coup. C'est parti. Dernier test, la proto. Elle est dedans, elle est dedans. C'est pas grave. C'est... Je sais pas si ça te joue, mais en tout cas j'arrive. Mais elle avance, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, elle est perdue. Ah bah elle a volé. Elle a volé, mais bon, malheureusement, on voit que le véhicule tombe plus vite que la DVC. Donc, du coup, DVC, première position, gagnant. Donc, je sais pas si qui avait la DVC. Quel joueur avait la DVC? Nuken quelque chose. Nuken, bravo, bravo, Nuken. Tu gagnes ce jeu, ce petit jeu. Et puis voilà, on verra pour un épisode 2. Ciao, ciao!